Oh mon dieu. J'ai été sélectionnée pour faire partie du top 20 des Nyx Face Awards Belgium 2017. Juste, oh mon dieu. J'y croyais, mais genre, tellement pas. À tel point que je me suis inscrite la veille. Ça faisait un mois que j'y pensais, qu'on me disait allez, fais-le. Je me disais, mais ça sert à rien, les gens sont super doués, pas moi. Et au final, la veille, je me suis dit, non, il faut que je le fasse. Et du coup, j'ai uploadé ma vidéo. J'y croyais pas du tout. Et en fait, je suis sélectionnée. Vous imaginez même pas ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. Maintenant, le plus drôle, c'est comment je l'ai appris. En fait, je pensais recevoir un mail le mardi 4 qui me disait soit si j'étais prise, soit pas prise, évidemment. Malheureusement, je n'ai rien reçu le 4, donc je me suis dit, bah tant pis, c'est mort. C'est qu'ils ont prévenu les gagnants, entre guillemets, les sélectionnés, et que j'ai pas été sélectionnée, tant pis, je retenterai l'année prochaine. Ce matin, à 7h45, j'entends le facteur qui sonne, ma mère qui m'ouvre, qui réceptionne, je suppose, un colis, et c'est tout. Le truc, c'est que j'attendais un livre que j'avais commandé pour bosser sur mon mémoire. Comment vous dire que quand j'ai vu la taille du colis, j'ai compris que c'était pas un livre. J'ai reçu ça. Je suis surexcitée, ça risque d'être totalement brouillon, je veux dire, je risque de ne pas savoir... Ah, je risque de ne pas savoir parler, de bafouiller, de dire n'importe quoi. Mais c'est l'excitation, je suis trop heureuse. Je voulais justement partager ça avec vous. Mon appareil photo était à mon cote qui est à Bruxelles et que j'habite à 2 heures de train de Bruxelles. Donc j'ai fait l'aller-retour. Vous n'imaginez pas la patience et le self-control dont j'ai dû faire preuve aujourd'hui. Donc première chose, on a un colis Redken. C'est le partenaire de NYX justement pour les Face Awards. Donc on a un Ruth Paste 12. Donc c'est une pâte à sculpter. Donc c'est un préparateur express pré-accélérateur de séchage et thermoprotecteur. Super, 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 super utile au quotidien. Et on a un petit produit ici, c'est traitement multibénéfice pour toute texture de cheveux. Je vais les utiliser en masse et je vous en dirai plus si ça vous intéresse dans une prochaine vidéo. Ensuite, le Graal. Donc c'est un... Oh mon dieu, c'est lourd. Hein. C'est un énorme colis comme ça qui pèse vraiment son poids. Alors j'ai déjà ouvert au cutter parce que j'ai juste entre-ouvert, regardez, j'ai fait oh mon dieu, j'ai fermé, je me suis dit je prends ma douche, je prends mon train, je fais l'aller-retour, je tourne cette vidéo et je découvre enfin ce qu'il y a dedans. Plein de produits. Je vous jure, ça fait quelques semaines, même mois, en ce moment que je suis dans la dèche la plus totale, que je n'ai rien pu acheter en cosmétique, ou presque, enfin le minimum quoi. Je vous raconte pas l'état d'excitation dans lequel je suis actuellement. Donc première chose que je vois, c'est la finishing powder, donc c'est la poudre de finition, donc c'est la poudre translucide classique. Ensuite on a plusieurs crèmes color SFX, donc pour les effets spéciaux, maquillage artistique. Donc on a un magnifique bleu roi ici, ça va trop me servir pour les prochaines étapes. On a un blanc, l'une des couleurs les plus utiles. On a un jaune absolument sublime, toujours, enfin toujours n'importe quoi, tout pétant, j'en perds mes mots, je dis n'importe quoi. Le rose est super joli aussi, de la peinture argentée, donc pour visage et corps. On a un noir, on a un vert, un marron, oh mon dieu j'en peux plus, un violet, il est trop beau. Un rouge, il y a encore un crème color orange. Bon je pense que c'est tout pour les crème color comme ça. Ensuite, on a une petite pile de poudre éliminatrice. Donc on a une sorte de blanc avec des sous-teintes bleues, un rose orangé, un blanc avec des sous-teintes roses très très jolies. On a un rose violet, un orange canon sur les peaux foncées. Oh, ça va être sublimissime ça. Des bases de fard à paupières. Donc j'ai une noire, une blanche. On dirait une sorte de jumbo liquide, je suppose. Je ne sais pas du tout. Une nude. Bon, ensuite, on a des fossiles. Donc, on a les 5 et les 10. Là, on a les 11. Ceux-là sont ultra dramatiques. Ça va être canonissime. On a une palette de correcteurs. Ensuite, oh mon dieu, une palette de fard à paupières. Elle est trop jolie. C'est ultra, ultra coloré. Ensuite, on a... Alors là, je vous préviens. Je vais craquer mon slip. Parce qu'on a plein de liquide suède. Déjà, je suis méga contente. Et en plus, on a plein de Cosmic Metals. Donc c'est les nouveaux rouges à lèvres liquides métallisés. On a un fuchsia, ça va être juste canon cet été, un peu plus bronzé. On a celui-là, je vais le mettre dès demain.
C'est une sorte de bronze assez clair. On a un bleu, ça c'est... je sais très bien que ça va pas plaire à tout le monde. Moi ça m'éclate. Je ne le porterai pas forcément tous les jours, mais de temps en temps ça peut être fun. Et surtout pour l'artistique. My god. On a un bleu foncé, celui-là je le porterai beaucoup plus facilement. Même tous les jours en fait. Vraiment je trouve ça super beau. Ensuite on a un orange. Celui-ci, moi qui ne porte presque pas d'orange sur les lèvres, est juste canon. Genre, mon dieu. On a un de mes préférés qui est le violet, qui est juste vraiment... Lui c'est un de mes coups de cœur. On a un gris sublime. Je vais le dire à chaque fois, hein. Mais moi la Cosmic Metal c'est vraiment mon coup de cœur de l'année chez NYX. On a un violet un peu plus flash qui est magnifique aussi. Donc on va passer au liquide suède. Donc on a le Alien qui est un noir. Le Amethyst qui est un violet flash. Celui-là va être canon dans la vie tous les jours aussi. On a le Encore Déjoué, j'adore le nom de celui-ci et il est ultra pop. Un fuchsia ultra flash qui est le Passion Rose. On a le Petite Robe en jean délavé, c'est trop mignon. Donc qui est un bleu flash. Le Orange County qui est un orange pétant. Mon dieu, il y a encore un Cosmic Metal que j'avais pas vu qui est, je pense, mon coup de cœur. Je change de coup de cœur. Oh non, il y en a encore un autre que j'avais pas vu. Donc c'est le électromagnétique et le divin. Oh my god, regardez-moi ces bleus verts là. Oh, ils sont sublimes. Bon ensuite, il y a le diriger le monde, donc le Run the World qui est le mauve. Très très joli aussi. On a une sorte de lilas qui est respecter le rose. Celui-là ça va être un de mes préférés parce que c'est clairement ma couleur. C'est le rétro vintage. Donc qui est une sorte de bordeaux marron très très foncé. Il y a un bleu très foncé qui celui-là, je l'ai vu porter et je le trouve vraiment vraiment magnifique comme bleu. C'est le Jet Set, donc qui est un bleu marine. Alors il y a le Stone Fox et c'est un gris qui est vraiment vraiment magnifique porté. Je sais que beaucoup de filles et garçons ont du mal à se maquiller avec du gris sur les lèvres, mais c'est sublime. C'est le Kitten Heels qui est très joli aussi porté. C'est une sorte de brique très foncée. Donc c'est des crayons jumbo mais à lèvres en fait. Donc les crayons jumbo yeux sont blancs, les crayons jumbo lèvres sont noirs. Je vais commencer avec les lèvres. Donc on a le Nude Diaphane qui est un très très joli nude, un nude très clair. Il y a le Honey Nectar de Miel, très joli aussi. C'est une sorte de rose, vieux rose comme ça. Le Hot Red, Hot Red, le rouge flamboyant qui est un brique. Ensuite on a le Hera 722 qui est magnifique, c'est une sorte de violet nacré, pff, sublimissime. L'iris qui va très bien avec son nom d'ailleurs, qui est une sorte de rose clair nacré, très joli aussi. Diaphane profond, donc deep nude, qui est un nude beige très très clair nacré. On a le burgundy qui est un burgundy foncé. Le pécan qui est une sorte de rose qui tire vers le beige. Et le brun rosé qui est un orangé en fait. Donc le dernier jumbo lèvres c'est le maroon qui est un marron. Je n'en reviens pas. Déjà que ça fait depuis ce matin que je n'en reviens pas d'avoir été sélectionnée. Mais là, je n'en reviens pas des produits qu'on reçoit. Vraiment, un énorme merci à l'équipe de NYX. Je ne peux qu'espérer aller plus loin dans l'aventure. Et si c'est pas le cas, je suis déjà mais tellement heureuse d'avoir été sélectionnée parmi les 20. Et en plus de recevoir ce colis, vraiment... C'est presque une consécration. C'est bête pour certains, mais vraiment, c'est super important. Ensuite, on passe au jumbo pour les yeux. Donc, on a le vert des montagnes rocheuses, qui est un magnifique vert métallique. On a le purple velvet, donc le velours violet, qui est un violet métallique. Ensuite, le cobalt, qui est un bleu pailleté magnifique. Ensuite, on a un argenté, qui est le casserole. Ensuite, le haricot noir, qui est un noir. Donc, on a le jumbo noir, c'est super top. Du coup, je suppose qu'on a le jumbo blanc, qui est le milk, qui est super connu depuis la nuit des temps sur YouTube. Ensuite, on a le pan, donc le peacock, qui est un magnifique, vraiment, un bleu pan, clairement, nacré. Le rouille, qui est un de mes coups de cœur. Donc, c'est une sorte de burgundy assez foncé, métallisé, et qui ira très 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 bien avec le pure gold, donc le or pur, un doré. Oh mon dieu. En fait, à chaque fois que je découvre et que j'enlève des produits de la boîte, je découvre d'autres produits en dessous et je suis impatiente de tomber dessus. Je deviens folle, je deviens folle. On passe au crayon rétractable, pardon, donc au crayon rétractable pour les yeux. On a le violet foncé, donc qui est un violet foncé. Le black, donc le noir.
le bleu profond, un bleu profond. Merci Malou. Tu nous apprends beaucoup de choses aujourd'hui, mon dieu. Donc le vert aquatique qui est un vert aquatique. Donc c'est un vert qui tire un petit peu vers les bleus et turquoise. Ensuite le violet qui est un violet. Et un argenté que j'ai déjà qui est le argent. Donc j'ai les liners en peau noire et le blanc. Super super cool. Ensuite sur le côté... Oh trop chouette. Donc c'est un mascara avec des fibres. Donc en fait c'est un mascara à deux embouts. Un embout où on met d'abord une couche de mascara, puis on met des fibres et puis on remet du mascara au-dessus. Et ça fait effet fossile allongé avec un volume magnifique. Ensuite le démaquillant pour colorant à lèvres. Trop bien parce que le nombre de fois où je m'arrache les lèvres, je ne porte pratiquement que des rouges à lèvres liquides qui sèchent. Et le nombre de fois où je me les arrache en essayant de me démaquiller, ça... C'est un bijou, vous êtes des génies Nyx, des génies. Ensuite je vois qu'il y a le fameux liner blanc que j'ai d'ailleurs acheté il y a pas très longtemps. J'ai d'ailleurs utilisé il y a pas très longtemps pour faire un look néon, j'avais adoré l'effet, c'est vraiment super chouette. Vous pouvez aller le voir sur mon Instagram, donc c'est MalouVDC tout simplement. Ensuite je vois que j'ai aussi le liner bleu, donc bleu cobalt. Ensuite trop chouette, j'avais trop envie de l'avoir, donc c'est la Angelville. Donc c'est la base perfectrice pour la peau sans huile. Ensuite il y a le vaporisateur de finition, donc c'est le Dewy Finish Fini Velouté Longue Tenue. Ah ensuite on a le vaporisateur de finition mais fini mat, c'est super chouette. Ensuite j'ai le Pro Foundation Mixer, donc qu'est-ce ? Mélanger le Pro Foundation Mixer avec n'importe quel fond de teint pour personnaliser et ajuster facilement la teinte de ton. Mais c'est trop bien. Ensuite il y a des gels à sourcils, donc je suis trop contente, je voulais vraiment les tester. Je dis ça à chaque fois, je le sais, mais c'est vrai. Donc ici j'ai les teintes espresso et chocolat, donc c'est la 2 et la 4. Ensuite encore la blonde, celle-là est très bien, je n'avais pas de couleur blonde, donc super top. C'est la 1. Ensuite il y a la 3, donc la brunette, et il y a la 5, la noire, qui est un marron très très foncé. Un eyeliner feutre, je trouve le packaging super joli, désolée je regardais, mais vraiment super joli. C'est le noir, donc classique. Et dans le fond il reste une chose. Oh, il y a un highlighter qui a l'air trop beau, j'ai envie de le tester. Donc, je vais vous montrer. Donc, voici les couleurs. Il y a un petit pinceau mousse qui est parti, mais j'utilise pas. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Déjà, quand j'ai vu tous les produits, je me disais, oh my god. Mais là, ah non, mais si vous trouvez pas votre bonheur là-dedans, je comprends pas. Je n'ai plus de mots. Quand je vois le nombre de produits qu'il y a devant moi, je suis vraiment ébahie. Je pensais vraiment, mais vraiment pas être prise dans les 20. Donc c'était déjà vraiment une énorme surprise. Je vous raconte pas, quand j'ai vu le colis, d'abord je me suis dit, mais c'est pas un livre. J'ai ouvert le colis, j'ai vu la pancarte top 20, j'ai crié. Mais vraiment, ça me touche parce que c'est mon travail et que ça touche à mon être et à ma passion. Donc vraiment, merci Nyx et merci pour ces produits. Merci. Donc vu que je suis sélectionnée pour les 20, il y aura bientôt un challenge donc que je vais poster sur ma chaîne. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, votez pour moi. Allez faire un tour sur les pages des autres parce que vraiment, il et elle sont tous super doués. Ils sont vraiment balèzes. Je sais pas comment j'ai fait pour être sélectionnée à côté d'eux, vraiment. J'ai plus de mots. Si vous n'avez pas vu mon maquillage, donc pour mon entrée dans la candidature, je vous le mets juste ici. N'hésitez pas à aller faire un tour, me dire ce que vous en pensez, même me donner des conseils pour améliorer, n'hésitez surtout pas. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, la commenter, la partager autour de vous et surtout vous abonner en cliquant sur ma tête juste là. Comme d'habitude on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout pour un nouveau challenge Nyx. Et en attendant prenez soin de vous. Ciao.